Salut tout le monde, c'est The Ghost of Dracula. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre comment envoyer un mail. Depuis quelques temps sur ma chaîne YouTube, j'avais dit que je le ferais. Ce tuto avait déjà été fait, mais malheureusement lors de la restauration de mon ordinateur, j'ai perdu ce tuto. Bref, on s'en fout, aujourd'hui je vous le fais. Et donc voilà. Donc on va l'envoyer à nous-mêmes bien sûr. Donc comme vous le pouvez voir, ce n'est pas l'adresse officielle de la chaîne YouTube, car j'ai quelques problèmes avec en ce moment. Donc on le verra sur cette adresse, mais elle marche quand même. Donc sujet de test, on va l'envoyer à nous-mêmes. En message, on va mettre ceci est un test. Et avant de l'envoyer, je vais actualiser. On voit que je n'ai aucun message. Je fais envoyer. On voit qu'une progress bar se remplit en même temps. Je peux bouger la fenêtre. Tout ça, c'est grâce à un Bagwan Worker. Je vous avais expliqué à quoi ça servait dans une de mes vidéos. C'était comment créer, comment hacker en fait un compte Facebook en fake. Et en fait, Bagwan Worker, ce qui est bien, c'est qu'on peut le logiciel travaille en arrière-plan, donc on peut toujours l'utiliser. Donc maintenant, je réactualise et j'ai le mail. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ça. Donc vous créez un nouveau projet. Moi j'ai déjà fait le design pour gagner du temps sur la vidéo, car elle sera assez longue. Donc vous rajoutez un Bagwan Worker. Donc comme vous pouvez le voir ici, je sais pas si il nous explique à quoi ça sert. Enfin ça sert à faire une tâche derrière fond. Derrière plan on dit. Excusez-moi. Et un timer pour faire tourner la progress bar. Donc j'avais le code et sur la vidéo de sur ma chaîne comment régler la vitesse d'une progress bar. Donc progress bar 1 point value plus est égal à 1. If progress bar progress bar 1 point value est égal à 100. Alors timer 1 point stop. On va mettre un message comme quoi le mail a été envoyé. Donc message box. Votre mail a été envoyé. On va mettre comme style le message box information. En titre, on va mettre mail envoyé. Et N pour fermer le logiciel quand il a été envoyé. Donc sur le bouton, quand on va cliquer sur le bouton envoyer, il va faire tourner le Bagwan Worker point run worker async et timer 1 point start. Et le Bagwan Worker, on va rentrer le code pour le mail. Donc moi je l'ai déjà ici, il sera dans la description. Et peut-être sur mon site, je vais mettre un centre de téléchargement avec tous les codes de tous les logiciels. Ça c'est à voir, je pense que je vais le faire. Je vous en reparlerai dans mes futures vidéos. Donc on voit qu'il y a des erreurs. Donc on voit qu'il y a un petit truc rouge là. On va laisser la souris dessus. On clique dessus et on fait importer système net.mail. Donc on clique. Donc je vais juste copier l'adresse pour aller plus vite. Je vous expliquerai aussi le code bien sûr. CTRL C, CTRL V, le mot de passe. Sujet marqué test. Ceci est un test en message. Bon voilà, on voit que ça s'envoie et qu'on peut bouger.
Je vais peut-être accélérer après ça parce que là c'est assez lent. Son mail a été déjà été envoyé. Mode réception. 13h54, il est 54. Enfin, le temps que ça charge. Voilà, je me comprends. On jette ça à la poubelle, ça sert à rien. Et donc, on voit que ça marche. Donc, excusez-moi. Donc, maintenant, je vais vous expliquer en fait le code. Donc, déjà, on a déclaré deux variables. Ma main message qui va envoyer le message complet. Donc, le sujet à qui on va l'envoyer. De qui ça vient, donc, de notre adresse mail. Le message, etc. Et on a le SMTP. Donc, qu'est-ce que le SMTP? C'est un serveur d'envoi. C'est un serveur de messagerie. Il faut savoir que les serveurs de messagerie, il en existe trois. Le POP3, le SMTP et l'ITIMAP. Voilà. Donc, je vous mettrai un lien. C'est Microsoft, en fait. Et vous tomberez sur cette page, en fait. Moi, j'ai juste zoomé pour qu'on voie mieux. Donc, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour regarder si vous n'avez pas envie de naviguer. Ou le lien, de toute façon, sera dans la description. Donc, pour trouver le serveur SMTP, on va aller sur Google. Et on va marquer liste serveur SMTP. Donc, paramètres. Bien sûr, le lien sera dans la description. Donc, vous avez tous les liens de tous les opérateurs. Comme Télécom, Neuf Omni, je sais pas comment on prononce, excusez-moi. Donc, on s'en fout, excusez-moi. Donc, SMTP Gmail, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Donc, ouais, bon, on a Gmail, après vous avez ce qu'on appelle des sortes de link label, ça s'appelle. Donc, SMTP Gmail, et pour le port, après. Moi, je sais que c'est 587 de mémoire. Le MyMailMessage. Donc, MyMailMessage est égal au message, en fait. Donc, voilà, ça vient de notre adresse mail, donc de cette Xbox. Toa de qui, donc l'adresse, donc l'email à qui on va l'envoyer, donc Xbox 4. Le sujet, ça vient d'ici. Et le message, Xbox 5, donc ici. Le SMTP, c'est ce qui va permettre d'envoyer. Il permet d'envoyer tout ce groupe box et le SMTP, c'est ce groupe box là qui va gérer tout ça. Donc à propos du SMTP, donc le port, je vous avais dit que je le connaissais. Donc le système.network pour le crédentiel, donc il va nous permettre de nous connecter avec notre adresse email et le mot de passe. Oh, excusez-moi. Et le enable SSL, le SSL tout simplement, c'est une connexion chiffrée, donc il faut l'activer. Par contre, avec Orange, il faut le remettre à false car il n'y a pas de connexion chiffrée. Donc le SMTP va vérifier nos identifiants et puis va envoyer le message. Donc si on regarde bien, si on va sur le site de Gmail, donc officiel, on verra qu'il y aura ses noms d'utilisateur ou email plus mot de passe. Donc en fait, c'est toujours la même chose. Donc voilà. Et donc voilà la petite surprise de fin de vidéo. Donc vous pouvez voir que c'est la même interface que notre design. Donc si on fait la différence, c'est la même chose. Sauf que là on voit qu'il y a une pelle jointe. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc on peut voir que ça marche, n'est-ce pas du tout un fake. On va tout de suite tester. Email, on va l'envoyer toujours nous. Donc on va marquer test. Donc voilà ton fichier. C'est aucune idée hein. Par contre je peux envoyer de fichier .exe parce que Gmail n'autorise pas le fichier .exe. Après Orange je sais pas trop. Donc on va envoyer une image. On va envoyer celui de GTA 5. Vous faites envoyer. Donc on va se reconnecter. Donc ah zut. Hop. Ah, punaise. Excusez-moi. Donc voilà, moi, voilà ton fichier. 14h03. Bon, nous, on l'a envoyé à 14h03. Donc voilà, voilà ton fichier. Et il y a le logo de Grand Theft Auto 5.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse un tuto dessus, il n'y a aucun problème, je vous le ferai. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter et proposer des tutos. Donc oui, fallait que je... Pour ma prochaine vidéo, ça sera pas une vidéo sur Windows ni sur Visual Basic, ça sera une vidéo de déballage sur un matériel informatique. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise pour fin de semaine. Allez, salut, c'était The Ghost of Dracula.